Salut à tous, une vidéo sur la NixOS. Donc tous les jeux de mots, va nixer ta mère et compagnie, on les oublie directement. Voilà, jeu de mots pourri, c'est fait. Voilà. Donc c'est à l'image de Geeks et de Geeks SD, une distribution qui se veut purement fonctionnelle. Elle est déclarative, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de fichier de configuration générale qui permet de tout gérer. Il y a plusieurs petites subtilités, c'est-à-dire que le système, on peut avoir des espèces d'archives, un peu comme les points de restauration de Windows, mais en plus fonctionnel. Mais c'est pour le système en entier. On peut récupérer, on peut redémarrer sur une personne de version et compagnie. Donc ça permet, en théorie, la plupart du temps, d'avoir un système qui fonctionne toujours. Allez, ça s'appelle des Atomic Upgrades et Rollbacks. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour point par point et revenir avec un système de restauration à un point précédent au cas où il y a une mise à jour qui merderait ou une installation qui merderait. On redémarre, on prend le précédent, boum, et on a récupéré la main. Donc, j'ai récupéré la version 17.09 qui est la dernière en date. Il y a plusieurs petites mises à jour mineures. La dernière mise à jour mineure, je crois qu'elle date de la semaine dernière. Donc, les 13 de, en fait, aux alentours du 13 ou 15 décembre, on est le 20 décembre quand je vais enregistrer la vidéo. Et là, je me base sur le manuel. Donc, on peut voir que il y a tout le manuel, comment gérer les plaquets, déclarations et compagnie. Ça change un peu des autres distributions. Donc, c'est pas évident à expliquer. C'est plus visuel qu'explicatif. Voilà, on a tout ce qui est installation, tout ce qui est Emacs, Postgres SQL. Il y a un gros manuel. Donc là, je vais juste égratigner la surface de la distribution, vous montrer comment elle fonctionne dans les règles générales, parce que ça fait une semaine que je fais plus ou moins mes muses avec, et je suis loin d'avoir tout découvert, parce que je suis tellement habitué aux vieilles distributions que... Voilà, donc là... Il y a en gros deux canaux. C'est précisé ici. Alors, les canaux. Channel. Voilà. Il y a deux canaux. Il y a les canaux dits stables, pour les personnes classiques. Le canal dit unstable ou de développement. C'est-à-dire, en gros, à ce que j'ai compris, tous les 3 mois, enfin, à période régulière, le canal unstable est gelé et les paquets sont gelés, débogués et boum, il y a une nouvelle version stable qui apparaît. Et après, pendant quelques mois, la version stable est mise à jour avec les mises à jour de sécurité et compagnie. Et on recommence ainsi. C'est un cycle comme ça, dual. D'un côté, on a des versions stables qui sont à peu près fixes. Et de l'autre côté, on a une espèce de canal de développement qu'on peut comparer à une rolling release qui est toujours en mouvement. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ressemble la NixOS. Là je vais lancer la version graphique et je vais mettre cette version en KDE. Mais c'est un KDE qui est très allégé. Très allégé même. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait comparer des idées des métapaquets. On ne peut pas parce qu'il y a certains logiciels qui parfois ont des dépendances communes et boum, ça rentre en conflit. Donc c'est pour ça qu'on a des... C'est vraiment très modulaire. Là, on est vraiment sur une distribution modulaire. Même avec XFCE, si on veut tous les greffons, c'est chiant, parce qu'il faut tous les installer en faisant gaffe de ne pas tomber sur des emmerdes. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble la NixOS en version KDE Live. Après ça, je redémarrerai, je ferai une installation KDE de base, et je rajouterai 3-4 outils. Mais je vais toujours garder Firefox ouvert, pour avoir ne serait-ce qu'un des paquets que je veux installer. Ou pour un pince-bête. Donc on va se mettre le clavier français. Et je fais systemctl start display manager. Et vous allez voir à quoi ressemble le NixOS en version KDE. Donc là, je vais juste réduire ça. Donc c'est un peu long, c'est normal, parce que c'est sur une machine virtuelle. Enfin, surtout en live.
Donc, par défaut, sont supportés KDE, XFCE, GNOME, et je ne sais plus quel outil, enfin je regarderai dans le manuel, mais il y a 4 ou 5 environnements qui sont supportés, principalement XFCE, KDE et GNOME. Bon, je n'ai pas testé GNOME parce que je n'avais pas envie de passer 3 plombes à attendre que tout s'installe. Donc je suis resté avec KDE et XFCE. Donc bien sûr, il va être en anglais. C'est normal, étant donné que je n'ai chargé aucune traduction. Vous allez voir, avec le fichier de configuration qu'on va créer, enfin qui sera créé, on peut tout gérer dans ce fichier. C'est peut-être aussi une faiblesse, parce que si le fichier est corrompu, puis parce qu'on rompt, on n'est pas dans la mouise. Oui. Mais comme on peut toujours après revenir en arrière, quitte à corriger, c'est... C'est moins un casse-gueule qu'on pourrait le penser. Quand je répète, je ne fais que gratiner la surface parce qu'il y a tellement de fonctionnalités que il me faudrait une vidéo de 3 heures et ça serait vite barbant pour à peu près tout expliquer. Et je serais certain que j'oublierais des trucs. Donc c'est vraiment une vidéo de présentation rapide, un aperçu de ce que peut faire l'NXOS. C'est surtout un aperçu d'un système alternatif de gestion des paquets. Voilà, donc on a le superbe fond d'écran de KDE. Voilà. Normal que ce soit un peu long à démarrer. Voilà. Oh là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a bousillé l'affichage de la vidéo. Ouais, superbe. Bon, c'est pas grave, je vais le relancer. Non, c'est peut-être un conflit avec la machine virtuelle. Bon, c'est pas grave. Donc, on va essayer de lancer. Voilà, on a l'environnement de base, comme vous pouvez le voir, avec le manuel, la console et le Gpartite. Donc là, ce que je vais faire, c'est redémarrer l'ensemble. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez, c'est quand même une session assez légère. Il n'y a que peu d'outils, le strict minimum, pour qu'on puisse après... broder à volonté. Donc, je vais juste redémarrer la machine, l'éteindre et essayer de redémarrer la caméra. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas un petit conflit avec la machine virtuelle. Voilà, on va éteindre. Voilà, donc là, la petite aléa du direct. Voilà, c'est bon. Il y aura un conflit avec la machine virtuelle. Donc, je vais redémarrer, mais cette fois-ci, je vais rester en mode texte et vous montrer l'installation de la NixOS. Vous avez vu quand même, c'est pas un environnement très chargé pour un KDE. C'est un truc que je vous expliquerai parce que ça se voit pas forcément dans le manuel, mais je les ai acquis en force de faire des recherches et compagnie. Parce qu'un système quand même qui se mérite. Oh oui. Parce qu'il n'est pas super répandu. Il n'y a pas beaucoup de documentation que j'ai pu trouver. Moins répandu qu'une Arch Linux, Ubuntu, une Slackware ou autre. C'est vrai que c'est moins connu comme principe. Donc, on a toujours le manuel, mais là, comme je l'ai en tête, ça va être plus vite. Donc déjà, je vais passer avec l'AV français. Je vais partitionner le disque. Donc, quand j'ai voulu faire une partition home séparée, ma tentative s'est vite transformée en catastrophe parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait plus de place disponible sur l'espace d'installation. Oh yeah. Bah, il n'aime pas les partitions home séparées, apparemment. Le vilain. Donc là, on va mettre 4 Go de swap.
Il conseille de formater en mettant des étiquettes. Donc je vais faire, je vais commencer par le swap. Hein. Main L swap dev SDA2. Swap on dev SDA2. Et je vais faire la même chose avec dev SDA1 que je vais formater en extended 4. Extended 4. Et je vais l'appeler NixOS. Et je vais monter la partition NixOS sous MNT. Donc, mount dev disk by label NixOS MNT. Maintenant arrive la partie un peu chiante. La génération et l'ajustement du fichier de configuration. Donc, on fait NixOS generate config root MNT. Donc là, je vais faire nano, etc. NixOS. Configuration.nix. Donc, je ne vais pas rajouter. Ah, mais je me suis compris. MNT. Si je ne mets pas MNT, ça ne va pas le faire. Voilà, ça va mieux déjà. Donc, la première chose, on va activer le bootloader. En clair, GRUB. Si on utilise UEFI, on utilise autre chose. Donc, je vais mettre FreedomXOS pour le nom de domaine. Pour le nom de domaine de la machine, du moins. Et là, je vais mettre networking.networkManager.enable égale true. En clair, j'active Network Manager. Et chaque ligne doit se terminer par un point-virgule. C'est comme ça. On va internationaliser tout ça. Donc, comme le modèle est fourni, il n'y a plus qu'à le modifier. Clavier français, merci. Et je veux le français. La localisation, enfin le fuseau horaire. Là, c'est ici que ça va être un peu plus casse-bonbon. Parce que ce sera la partie qui sera un peu trafiquée par la suite. Donc, j'ajoute zip. Unzip, P7zip, pour avoir un maximum d'outils de base. Et je vais mettre aussi MC, ça peut toujours servir. Et sur une deuxième ligne, je vais rajouter Firefox, et sur une troisième, je vais rajouter XDG User DRS. Ce sont les seuls trucs que je vais rajouter pour le moment, pour avoir un navigateur web, et surtout les répertoires utilisateurs de la bonne langue. Donc, je vais activer la compilation automatique de Bash. Je n'ai pas besoin d'OpenSSH, le pare-feu, j'en veux pas. Je vais activer l'imprimante. Là, je vais activer le clavier en français dans le système, quand je sors mon graphique. Et là, j'ai déjà activé la base de KDE. C'est terminé. On va terminer avec un compte utilisateur classique. Donc là, je vais ajouter quelques options de plus. Le répertoire home, on va mettre dans home fred, slash home slash fred. Description pour le nom utilisateur. On va mettre un peu d'humour, tiens. Non, je voulais mettre méchant fred, mais ça va pas passer. Donc je vais juste mettre, voilà, point virgule. Et je vais rajouter le support de deux groupes. Will et Network Manager, comme ça, ça me permettra de gérer le son, l'accès en sudo et l'accès aux outils de Network Manager. Donc je fais ça, extra groups égale crochet Will Network Manager. Crochet, pardon, point virgule. Donc là, c'est bon, je peux, normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Et je fais Nixos install. Donc, s'il commence à se lancer, je mets... Ah, j'ai oublié quelque chose. 98. Ligne 80. Vous voyez, donc là, j'ai fait une petite erreur de saisie. J'ai dû faire une petite erreur quelque part. Slash home, slash fred, peut-être là. 8 dégâts de 1000.
91 lignes, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Sinon, il vérifie que tout est OK. Expecting. Ah, d'accord, j'ai oublié un truc. Ah, d'accord, je vois ce que j'ai oublié. En description, j'ai oublié de mettre un égal. C'est-à-dire qu'il analyse tous les fichiers, regarde s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et comme j'ai oublié un égal ici, il me fout une gueulante. Voilà, normalement, c'est très bon. Et s'il commence à récupérer les paquets, je mets tout en pause et je reviens dans un petit quart d'heure pour la suite de la vidéo. C'est un peu long. On dit que plus c'est long, plus c'est bon, mais je veux bien quand même qu'il commence l'installation. Apparemment, il gratte au niveau du réseau. Voilà. Donc, c'est parti. Il est 16h06. Je mets en pause et je vous dis dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Donc, il est 16h25. 19 minutes sont passées. Et on va attaquer l'insertion du mot de passe route. Pour le mot de passe utilisateur, on le fera plus tard. Donc, on va commencer. Et on redémarre. Et là, je vais vous montrer l'insertion de tout ce qui est mot de passe utilisateur et compagnie. Là, j'en profite pour mettre un peu plus de lumière tant que ça démarre. C'est déjà un peu mieux. Donc là, il y a SDDM qui va se lancer. On va faire un CTRL-ALT-F2 ou CTRL-F2 dans une machine virtuelle. Se connecter temporairement en route, faire un password non utilisateur, entre le mot de passe utilisateur, repasser sur la session principale et on sera sauvé. Donc, clac, clac. J'espère ne pas avoir fait de faute dans le mot de passe route. Voilà. Password. Voilà. On fait un petit exit. Et on repasse. Pardon. Voilà. Ctrl-F7. Alt-F7. Et on passe. Voilà. Donc, c'est un peu du franglais, mais c'est pas bien grave. Ça sera normalement en français à la connexion. Voilà. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas me faire le bug de la caméra. C'est en pas fait. Ça m'ennuierait un brin. Non, c'est un peu plus rapide que pour la fois précédente pour charger. Croisons les doigts. Et vous avez constaté un tout petit bug que j'ai constaté lors des tests. Un bug ennuyeux si on ne parle pas trop anglais. Donc, j'attends qu'il finisse de me charger l'ensemble. Le premier câble de démarrage de KDE est toujours très long. Voilà. Donc déjà, on voit que de ces personnes et la corbeille, c'est en français. Mais il y a un bug ennuyeux. C'est que Firefox, lui, n'est pas en français. Donc, si je clique ici,
Bah, si je lance le web browser, à savoir Firefox, la version 56, parce que là, la distribution Nix est un peu conservatrice. Elle a tendance à être un peu sur un canal stable, à être un peu conservatrice. Vous allez voir, il est en anglais. Il s'intitule Nightly, et je suppose que c'est la version 56. Ouais, rien que déjà ça, c'est une version 56. Dommage. Bon, c'est pas mortel, mais c'est ennuyeux. Par contre, il n'y a pas le son. Il va falloir peut-être que je rajoute quelque chose pour le son. Bon. C'est mon Pulse Audio qui a manqué à l'appel. Donc là, déjà, vous voyez, on a de quoi gérer Cube, c'est patati patata. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Et bien sûr, si on va dans Dolphin, on a tous les répertoires utilisateurs en français. Ce qui est un bon point de départ. Mais avec un peu de chance aussi, je crois qu'on peut gérer tout ce qui est réseau. Wonderful. Les partages Samba. Voilà. Normalement. Est-ce que j'ai mis un réseau ponté? Ouais, bon, mais apparemment, il doit manquer un truc. Mais à moins que je ne sache pas trop bien utiliser, au moins déjà, on a, ne serait-ce que dans le dossier personnel, tous les répertoires en français. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer 2-3 trucs qui manquent. Donc, on va passer par la ligne de commande. Et c'est pour ça que j'ai conservé mon navigateur ouvert. J'ai ouvert la page des paquets de NixOS. Vous voyez, il y a 13 000 réponses. Mais il ne faut quand même pas se dire qu'il y a 13 000 paquets. Il y a beaucoup de doublons, triplons, quadruplons. Par exemple, si je recherche Firefox, on a quelque chose comme 22 réponses et on voit deux fois Firefox 52, trois fois Firefox 56, même quatre fois Firefox 52. Donc même s'il y a 13 000 références, il faut dire peut-être qu'il y a la moitié qui sont des doublons, triplons ou quadruplons au niveau des références listées. Donc ce qu'on va faire, on va voir les outils KDE. Voilà, je vais dans KDE tout court, voilà. Par exemple, on va mettre... poum, 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 poum. On verra après pour les cas d'application. On va commencer par rajouter LibreOffice. Donc là, je vais me connecter en utilisateur root. Je sais, c'est pas bien, mais on m'a conseillé de faire ça. Donc, si je veux rajouter par exemple LibreOffice, c'est nixenv-i et LibreOffice fraîche pour avoir la version fraîche. Et vous allez comprendre qu'elle est quand même assez conservatrice la distribution. Parce que normalement, c'est version 5.3 qui va s'installer. Et là, jusqu'à preuve du contraire, c'est la fraîche. Maintenant, c'est la 5.4. Parce que la stable, la fraîche, c'est la version dite. Parce que bon, je vais rechercher LibreOffice parce que je crois que c'est à peu près les mêmes appellations que sous Arch Linux. Sauf qu'il y a un grand décalage. Voilà. La style, c'est la 5.2. Et la fraîche, c'est la 5.3. Or, nous avons déjà décalé d'un cran. Sur Arch Linux, qui prend les mêmes appellations, la style, c'est la 5.3 et la fraîche, c'est la 5.4. Donc on voit quand même que la distribution est un brin conservatrice. Donc c'est un peu long parfois pour qu'il démarre. Mais une fois qu'il a démarré, c'est bon, hein. Et puis après tout, l'informatique est une école de la patience. Du moins en théorie. D'accord, donc IA. Ah donc peut-être si je mets NixOS. Peut-être si je mets ça. Parfois il y a tendance à être un peu ennuyeux. Voilà, on installe LibreOffice. Mais il y a le principe, c'est pas parce qu'on installe un paquet qu'il sera automatiquement mis à jour en cas de mise à jour disponible. Il faut le rajouter dans le fichier de configuration. Donc là, j'ouvre un nouveau répertoire, un nouveau terminal. Et je vais faire sudo nano. Etc. NixOS configuration.nix. Et donc, je vais rajouter LibreOffice fraîche dans la série des, dans la liste des paquets. Alors, la liste des paquets qui se trouve ici.
Donc je vais rajouter LibreOffice fraîche. Et chaque fois que je vais modifier un paquet, enregistrer le fichier de configuration, le faire prendre en compte, il y aura une nouvelle référence qui sera prise en compte au niveau du GRUB. Une nouvelle configuration qui sera prise en compte. Ça permettra de faire des retours en arrière si nécessaire. Bien sûr, on peut utiliser la commande nix-e pour revenir sur ou nix rollback. Nix-e c'est pour enlever et nix rollback c'est pour revenir vers un undo, quoi, une annulation de la personne précédente. Parce qu'on peut faire ça au niveau des paquets, mais aussi au niveau du système. C'est des espèces de retour en arrière, de sécurité, de point de restauration pour prendre un équivalent windowsien, qui parlera peut-être à pas mal de personnes. Donc là, je vérifie que la fille ne m'installe pas tout bazar. Voilà. Et là, dès que j'ai fini, que j'ai modifié ma configuration, je fais un sudo nixos rebuild et switch pour qu'il me le rajoute à GRUB comme option de démarrage. Là, il va vérifier que tout va bien. Si tout va bien, boum, il modifie. J'ai remarqué aussi que si on modifie uniquement le paquet, enfin uniquement le fichier de configuration qu'on le recompile, parfois il installe les paquets lui-même. Donc parfois c'est pas mal quoi. Ça évite de faire deux fois l'opération. Alors dans les outils KDE application, alors on va prendre les KDE application. Hein. Voilà, donc on peut mettre. On va pas tout mettre, là, vous voyez, il y a toute sa traduction. On n'en a pas besoin. Mais c'est une version installée par défaut. Mais par exemple, si je veux rajouter... c'est quoi Cléopatra? Ah, c'est un outil pour gérer les clés, pour gérer tout ce qui est clés GPG. Donc, par exemple, on va rajouter Cléopatra. On veut rajouter Kmail. On peut rajouter Kate pour tout ce qui est édition de texte. Donc par exemple, je vais rajouter Kate. Donc je vais mettre nixams-i, Kate. Et il va me rajouter le petit éditeur Kate. Si je veux rajouter un Maroc, je mets un Maroc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut broder, mais si on veut la totalité... des KDE applications, ça prend un temps infini à rajouter parce que certaines peuvent rentrer en conflit, après il y a des histoires de priorité et compagnie, donc c'est pas super évident. Donc là, je vous montrer que si on modifie, je sais pas si c'est très nixosement compatible de faire ça, alors je vais mettre Kate. Je vais rajouter, voyons, est-ce qu'il y a K-Calc? Blablabla. Ocular, non. Ah, il n'y a pas beaucoup en KDE application. Donc je vais mettre KDE tout court. Est-ce qu'il y a K-Calc, par exemple? Ou je veux rajouter un Maroc, par exemple. Je veux rajouter un Maroc. Donc je vais mettre un Maroc ici. Et je vais rajouter Pulse Audio. Parce que je ne sais pas si Pulse Audio est installé, donc je vais mettre Pulse Audio. Je ne sais pas si Pulse Audio est installé, donc ça, ça me fait un petit quai. Je vais laisser Pulse Audio installer après. On va commencer par un Maroc. On va rester prudent. Donc, là, si je vais dans les outils, les applications, normalement, je vais avoir Kate. Bureautique. Bon, bien sûr, j'ai LibreOffice. Et si je vais dans les outils système, normalement, je vais avoir Kate qui doit traîner dans le coin. Moi je tape Kate. Voilà. J'ai l'éditeur de texte avancé, Kate. Et si je lance LibreOffice, par contre, lui est en français. Ben, je vais prendre par exemple LibreOffice Calc. Il va se lancer en français. Bon, pendant ce temps-là, j'ai rajouté un Maroc dans le fichier configuration.nix. On va voir si, enlever que le rebuild switch, il va me rajouter un Maroc.
dans les outils disponibles. Et voilà, je vais vous montrer. C'est bien avec en français. Donc là, ça crève les yeux que c'est en français. Allez, voilà. Je vais voir si Nix. Attendre que ça finisse de faire ça. Je vais voir si. Donc apparemment, il me rajoute des outils par rapport à. Il rajoute pas mal de trucs, oui. Donc un Maroc va être rajouté, apparemment. Et chaque fois qu'on refait un rebuild switch, il y a une nouvelle configuration qui est ajoutée au GRUB. Donc ça permet de revenir en arrière au cas où. Il y a tellement d'options que là je ne fais que qu'égratigner la surface. Je ne prétends pas être un pro de NixOS, loin de là. Je vous montre ce que j'ai compris. C'est une présentation rapide, malgré que l'introduction était un peu longue. Donc là. Si je cherche un Maroc. Attendre quelques secondes qu'il finisse son boulot. J'étais peut-être un peu plus vite que la musique. Voilà. Donc, si je tape à Maroc, je vais dans l'application. Utilitaire, donc je vais voir Kate, oui bien sûr. Si je tape à Maroc. Non, pas encore. Donc peut-être qu'en me déconnectant, en me reconnectant, à Maroc va apparaître. On va fermer tout. Donc j'essaie de me déconnecter et de me reconnecter. Donc, logout. Ça permet vraiment d'avoir un ensemble très modulaire. Dommage par contre qu'on ne puisse pas installer tout KDE si on en a envie. Donc je vous conseille une chose, si NixOS vous intéresse, plongez-vous dans le manuel, faites-vous une machine virtuelle, c'est vraiment passionnant. C'est chiant au début à maîtriser, mais c'est vraiment passionnant pour la suite. Même si je préfère au final tout ce qui est sur les bonnes vieilles distributions classiques. Donc je suppose maintenant que cette fois-ci qu'un Maroc. Eh non, il n'est pas encore disponible le Maroc. Je pensais qu'il m'aurait mis un Maroc, donc pas fait. Bon, pas sur Bérave, sinon. On va essayer avec un terminal. Hein. Donc je vais voir. Je vais voir si Amarok est installé. Mais oui, Amarok est installé, mais apparemment, il n'y a pas le. Il y a un problème de. D'icône. C'est pas pour vous installer, cette bête. Brrr. À moins qu'un Maroc ne se lance pas. Ah, si, il a un Maroc. Voilà.
Non, apparemment, Maroc ne veut pas se lancer. Bon. Dommage. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est un bug d'Amarok. Donc je vais essayer de relancer l'installation d'Amarok en console. Peut-être que ça a fonctionné cette fois-ci. Je ne suis pas un super pro de Nix, comme je l'ai précisé au début. Donc, c'est... Zut. Donc je vais voir nix-inv-i à Maroc. S'il me dit qu'il est déjà installé. Ah oui, il n'était pas installé, autant pour moi. Cette fois-ci, peut-être qu'il va être complètement installé. Non, mais j'avais fait une erreur en fichier de configuration pour Linux, donc mea culpa. Ouais, mais par contre, il n'y a pas l'icône. Bon, mais à Maroc, apparemment, ça ne veut pas. Non, vous avez, par exemple, si je veux installer GIMP, je passerai par GIMP, par exemple. Juste que je pense bien sûr à la rajouter au fichier configuration.nix pour que lors d'une mise à jour potentiellement du logiciel, il soit aussi mis à jour. C'est pas parce que vous installez le logiciel qu'il sera automatiquement mis à jour. C'est un peu bizarre comme concept si on oublie de le mettre dans le configuration.nix, mais donc je vais le rajouter dans configuration.nix. C'est quand même bizarre pour Amarok qui refuse de se lancer. Donc je vais mettre Maroc. Donc je vais mettre GIMP. Et si je mets VLC, je vais voir ce qu'il me dit. Enfin, je vais essayer aussi VLC d'abord. Surtout que Maroc est un brin pourri, enfin un brin en voie de pourrissement avancé. Donc je vais mettre VLC. Et je vais voir si Pulse Audio est installé aussi ou pas. Parce que là je n'ai pas de circuit son. Donc. Enfin, j'ai pas d'icône de son. Ça me paraît un peu bizarre. À moins que l'icône ne soit pas affichée. On n'était pas installé Pulse Audio, donc je vais l'installer. Je vais rajouter à home configuration.nix. Je pensais qu'il aurait installé directement Pulse Audio. Bon, autant pour moi. Et je vais voir aussi s'il n'y a pas d'outil KDE Pulse Audio. Je vais voir avec Pulse. Désolé, là je n'avais pas trop cherché dans. J'ai pas trop fait mumuse avec Pulse Audio dans KDE, donc c'est pour ça que je m'excuse des petits aléas du direct. Pulse Audio full. Non mais c'est bon, apparemment c'est bon. Voilà, donc ça on enregistre. Donc, je suppose qu'il y a avoir GIMP qui doit être présent. Bon, c'est aussi Run GIMP, donc ça. Peut-être qu'il manque des trucs. Hein. VLC. Run VLC, d'accord. Donc, je vais relancer. Donc, je vais voir si en me déconnectant, en me reconnectant, j'ai les icônes. Ou si c'est un bug du KDE proposé. Parce que là, j'avoue que je n'ai jamais vu ce genre de bug. C'est aussi parce que je n'ai pas mis les bonnes amplis. D'accord, Pulse Audio non disponible. Pulse Audio-10. Parce que parfois, le nom n'est pas la même chose. Pulse Audio full. Je vais mettre Pulse Audio-full. Pulse Audio full. Donc cette fois-ci, peut-être qu'il va passer. Là, je vais redémarrer pour vous montrer justement que toutes les configurations créées successivement ont été prises en compte.
elles sont chronologiquement prises en compte. Si on a besoin de revenir à un point précédent, on peut toujours choisir une version précédente. En cas d'emmerde, ça permet de faire une restauration système, en quelque sorte. Je prends l'idée de la restauration système, même si ce n'est pas la même chose, mais en gros, ça y ressemble. Au moins peut-être qu'avec un reboot, toutes ces icônes vont apparaître. Qu'une simple déconnexion ne suffisait pas. Avec KDE. Pardon. Donc là, je vais fermer ça. Et on fait un sudo reboot. Donc je vais voir, je vais vous montrer quand même toutes les configurations qui ont été créées. Voilà, vous avez avec la date, configuration 1, 2, 3, 4, différentes configurations que j'ai générées au fur et à mesure dans la vidéo. Ça permet, au cas où il y en a merde, de revenir sur un point de restauration fonctionnel. Enfin, une étape fonctionnelle. Désolé pour l'image du point de restauration, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit. Parce que ça m'y fait penser. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc désolé, la vidéo s'étire un peu en longueur parce que je n'ai pas trop l'habitude de NixOS. C'est quand même un peu dépaysant quand on l'aborde pour la première fois. Même au bout d'une semaine, on est encore un brin dépaysé. Parce qu'il y a toutes les options qui existent. Si vous regardez le manuel, vous avez des options pour savoir qu'en faire. C'est très riche comme environnement, mais très aussi... assez, dirons-nous, assez copieux à digérer. Donc, ce KDE est toujours un peu long à démarrer. Est-ce que cette fois-ci je vais avoir l'icône de son ou pas? Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. C'est bête. Donc, on va voir au moins si les autres logiciels que j'ai installés sont disponibles sur le plan graphique ou si. Alors, bureautique, donc il manque des icônes. Graphisme, on a GIMP, superbe. Multimédia, je suppose. Ah, mais à Maroc n'apparaît pas par contre. VLC apparaît, mais pas à Maroc. Sale bête. Je sais pas pourquoi Maroc m'envoie paître. Donc. Je vais voir si VLC veut bien se lancer, s'il n'a pas le coût du QT4 disponible. Alors, multimédia, multimédia, média, VLC. C'est bon. Bien sûr, comme c'est la période de Noël, le clin d'œil avec le bonnet du Père Noël. Et on va finir avec GIMP. Dommage pour un Maroc. Dommage aussi pour le son. Donc ça, je suppose que certains pros de NixOS m'ont dit qu'il fallait faire ça, ça et ça. Mais manque de peau, je n'ai pas dû chercher suffisamment. Ou peut-être c'est un bug connu aussi pour un Maroc. Hein. Quoi qu'un Maroc, vu ce qu'il en reste. Hein. Bref. Voilà, donc vous avez vu quand même, NixOS, c'est un système intéressant comme principe, mais c'est un peu dépaysant. Et c'est vraiment, il y a pas mal de lignes de commande pour en pratiquer.
C'est pas super abordable au départ, hein. Ça, pour moi, l'impression, je reviendrai à la conclusion, c'est vraiment une preuve de faisabilité. Voilà, donc là, je vais passer en mode fenêtre unique. Voilà, donc c'est GIP 2022. Bon, là, on va faire dodo. C'est 12 tout. Voilà, donc je vous ai montré en gros ce à quoi ressemblait NixOS en action. Bien sûr, je n'ai pas pu tout expliquer, je n'ai pas pu tout montrer non plus parce que c'est tellement lourd, enfin tellement pas lourd, mais copieux, que je pourrais passer 3 heures, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et je ne pourrais pas tout expliquer. Donc, pour conclure, étant donné que ça s'éteint, c'est vraiment une distribution intéressante dans ses concepts. C'est l'idée de toujours avoir quelque chose de fonctionner sous la main. Le problème, c'est encore assez geekesque. C'est vraiment beaucoup de lignes de commande et c'est généreux comme principe. Mais par contre, c'est pas franchement abordable pour une personne qui débute avec Linux. Sauf si vraiment elle a envie de dire, ah mais j'ai envie de voir quelque chose de différent, de modulaire, 100% modulaire et compagnie. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment une distribution que je conseille à des personnes qui sont déjà vraiment plongées dans l'informatique et qui ont envie de se faire plaisir avec des concepts nouveaux. Des concepts différents et des concepts classiques qu'on voit tout le temps. Voilà. Désolé si la vidéo s'est un peu tirée en longueur. Désolé pour les oups et compagnie. Parce que je ne suis pas un pro de distribution. J'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao!